Hola YouTube et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler d'une application qui s'appelle Voloco. Alors je vais t'expliquer ce que c'est exactement. Tout d'abord, si t'es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage sur cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Voloco est une application qu'on peut trouver sur smartphone, alors sympa, et je vais te montrer comment moi je m'organise pour utiliser l'application Voloco. Parce qu'il faut savoir que cette application, elle a pour but en fait de t'enregistrer en chantant. Elle va te proposer une panel de musique préenregistrée qui sont droit auteur, hein, je précise. Vous pouvez chanter en utilisant ce son, l'autotune. Alors pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, l'autotune c'est en fait une correction, une modification de votre voix pour les gens qui ne savent pas chanter comme moi par exemple, qui permet de créer un clip, une chanson assez sympathique, etc. Voloco est compatible pour iOS et le Play Store, hein, sans problème, hein, donc Android, hein, on n'a pas de soucis là-dessus. Cette application, elle va vous proposer un tout style de contenu, que vous équipez d'un smartphone, en plus des écouteurs, et après vous n'avez plus qu'à chanter. L'application Voloco, voilà, vous avez... alors là, moi j'ai plein de trucs, hein, j'ai des titres à phrases, j'ai de l'électronique, du hip-hop, allez, une musique, tac, j'ai écouté ma musique. Alors, il vous propose de racheter la licence et tester déjà l'application gratuite, vous allez voir. Je sélectionne mon premier truc, je branche des écouteurs et j'ai plus qu'à chanter. Une fois que je chante, en fait, ça me permet d'avoir un son plutôt confortable quand même avec les écouteurs, hein, faut avoir quand même de la qualité. Et je choisis de l'autotune. Et en mode autotune, vous avez aussi donc plusieurs effets qui sont proposés. Vous avez aussi l'équilibration de votre musique que vous pouvez choisir dans les médiums, dans les aigus, etc. Et vous avez le mode clé, en fait, le mode clé, elle est chargée de la tonalité à l'échelle pour vos projets. C'est-à-dire qu'elle va s'équilibrer pour avoir un son beaucoup plus net, beaucoup plus pur, et ça va rectifier les fausses notes. Vous pouvez rogner aussi la musique, et vous pouvez désormais aussi rechanter par-dessus vos musiques. Donc c'est assez sympa. Donc là, je choisis par exemple une musique, tac. Je peux aussi le faire en vidéo, hein, c'est-à-dire que je peux me filmer et chanter en même temps, à la fois. Donc on arrive sur un truc assez rigolo et assez sympa. Voilà, je vais aller vous chercher une paire d'écouteurs et puis je vais vous montrer ce que ça fait. Et après, je vais vous montrer ma technique, comment j'ai pu faire. Parce que grâce à Voloco, moi j'ai utilisé cette application-là pour faire le clip. Vous savez, le fameux clip de la dyslexie qui est arrivé à 10 000 vues. Et alors, merci beaucoup parce que vous étiez nombreux à la repartager sur les réseaux. Ça me fait fort plaisir. Et du coup, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Et vous mettre une petite vidéo de comment je l'ai filmé. Parce qu'après, je me suis équipé d'ordinateur. J'ai téléchargé l'ordinateur, vous savez, la fameuse application LDD Player qui permettait de créer un système Android. Qui permet toujours de créer un système Android sur vos ordinateurs. D'ailleurs, elle est compatible dans ma première vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour la télécharger. J'ai mis un compte Gmail, j'ai téléchargé l'application Voloco, je l'ai branché avec un casque, hop, j'ai branché un micro de qualité, je me suis fait un mini studio et le son était nettement correct. Et là, du coup, j'avais pas ce petit grain d'écouteurs qu'on peut avoir. L'inconvénient des écouteurs, c'est que ça a tendance à saturer, à vraiment pas avoir vraiment de la très bonne qualité, etc. Pour rappel, LDD Player, bon, c'est une application qui va vous créer du coup un système Android donc sur vos ordinateurs, hein, sur les PC, qui va vous permettre du coup de créer un système Android que vous allez télécharger directement dans le Play Store. Là où je vais vous faire ma simulation, ça va être sur un smartphone. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, donc là je vais vous chanter le clip de la dyslexie, hein, je vous fais juste le refrain, elle c'est pas fantastique, etc. Là en utilisant donc mon système d'autotune, ça va corriger toutes mes vibrations, toutes mes sons, ça va mettre quelques petits effets assez sympathiques. Et après je choisis le plus, le moins comme je veux. Moi je fais aucune modification, je le laisse par défaut parce que je trouve que déjà le logiciel est assez intelligent et traite vachement bien vos musiques et vos sons pour avoir de la qualité. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Donc petit extrait de ce que ça fait, et après il faut faire un petit montage, un petit clip et c'est sorti. Et ça fait le résultat que vous avez. En plus vous avez pas mal de modes, vous avez le mode Madeiran, enfin il y a plein de modes. Donc là je vais choisir le mot autotune, voilà. Autotune, je choisis donc la clé, là on va être sur du mineur, parce que le mineur français donne un son assez sympa. Donc je vais vous quitter mon écran et vous allez passer directement en audio. Donc voilà, nous voilà en audio. Avant de commencer, il faut choisir sa musique. Donc moi j'ai déjà ma musique enregistrée, hein, Flo Magia, mais en fait je peux choisir plein de musiques. Je vais pas quitter sinon je vous perds. Vous êtes prêts? Ça peut donner ça. Aujourd'hui, être dyslexique, c'est pas...
pas fantastique, je fais des fautes partout. J'écris plus du tout, et des fautes d'orthographe. On dirait la gaffe, hey. La gaffe, hey. Après les moqueries et toutes les conneries, j'en ai fait ma force et je bombe le tort. J'avance comme je peux et je vais au mieux. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger l'application Volco, encore une fois, compatible sur tous les smartphones, qui est même vachement bien noté. Si tu veux te mettre au champ et t'éclater juste parce que voilà, t'as un délire comme ça, bah comme moi par exemple, j'ai juste des délires comme ça, et ben bah, essaye et ça peut marcher. Voilà, merci beaucoup et à plus pour de prochaines vidéos sur ma chaîne.